Hey hey hey, c'est parti pour l'épisode 6 de Skygrid. Alors, quoi de nouveau? Alors, j'ai fait ce toit pour cacher. Non, c'est pas pour cacher la lumière. En fait, c'est juste pour faire une petite plateforme histoire qu'on puisse construire quelque chose dessus. Bon, je sais pas quoi encore. On construira peut-être la maison ici, en fait. Je pense que c'est une place assez sympa. Et aussi, hein, avant tout, en fait, c'est surtout pour éviter qu'il y ait des arbres géants qui poussent. Parce que là encore, ça peut aller. Je peux y accéder par cette petite plateforme. Mais s'ils sont trop énormes, c'est juste l'horreur. Donc voilà. Et puis, je me suis dit qu'au niveau place, cette petite plateforme là, c'était cool, mais ça suffisait pas. Eh oui, je vois les choses en grand, vous voyez, c'est ça la différence entre le petit Minecraftien et puis les grands Minecraftiens. Non mais voilà, autant prendre toute la place qu'on a, et c'est pas la place qui manque dans Skyrid. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait prévu pour cette vidéo? Alors on avait prévu d'aménager, je sais pas si c'est pour cette vidéo exactement, hein, mais bon c'est pas grave, ça fera totalement l'affaire. On avait prévu d'aménager le petit spawner de moutons. Donc écoutez, je vais aller voir et vérifier que ce soit le bon spawner qui est juste là-bas. Parce que si c'est pas le cas, je vais me retrouver con devant et ça va pas le faire. Ça va être pourri. On va perdre du temps. Donc autant ne pas perdre de temps. Comme vous voyez, j'ai fait énormément de stacks de bois et de blocs en règle générale même. Donc le spawner que j'avais vu était juste par là-bas. Alors on va un peu s'approcher. On va pas chercher directement à faire un chemin parce que ce serait con que ce soit pas le bon. J'ai pas encore regardé parce que je voulais vraiment que vous voyez tout ce qui est construction de plateforme et tout ça. Je me suis dit déjà, j'ai fait la plateforme au-dessus des arbres. Bon, c'est cool, mais ce serait cool de le faire en live normalement. Enfin, en vidéo. Mais bon, c'est pas une plateforme extrêmement passionnante à faire. Comme je disais, je ferai la maison avec vous, devant vous. Ce sera déjà pas mal. Et tout ce qui est évidemment récolte de minerais et de tout ce qui est bois, tout ça, c'est pas intéressant du tout, donc je le fais en privé, en local. Alors j'ai l'impression que c'est un mouton, mais je suis pas sûr, hein. C'est un mouton transgénique, on dirait un peu, hein, parce que là, c'est un peu dégueulasse de là où je le vois. Je vais descendre, hop. Voilà. Là, on va être sûr, là, hein. Ah, d'accord, en fait, on voit rien. Bon. Bon, on continue, hein. D'accord, c'est un spawner de Silverfish. Donc, ok. Bon, bah écoutez, je vais... Tant pis, hein, je vais juste regarder aux alentours où est le spawner de moutons qu'on avait vu il y a un petit moment déjà. Et puis, je fais donc une ellipse. Et je vous retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Et heureux. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé le spawner à moutons, hein, mais c'est pas grave. Parce que j'ai trouvé déjà ce coffre. Donc il y avait Magma Cube, Iron Boots, Oslo, Compass et un peu de cobble. Tout ça là-dedans, donc avec la shovel aussi. Donc pourquoi pas, hein. Écoutez, c'est toujours bien à prendre. C'est pas un coffre trop pourri. Donc ça va, c'est sympa. Et oh tiens, mais il y a vraiment beaucoup de coffres là. Donc je vais. Y en a, en fait, j'ai repéré un coffre vers là-bas. Qu'on ne doit pas voir d'ailleurs, de là. Enfin bref. Et un coffre juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher ces coffres. Ça va être un peu ça. Et puis, nous allons aménager un spawner à araignée. Parce que un spawner à araignée, ça serait super utile. Déjà, ça me fournirait quelque chose, un mob, quoi.
Et notamment surtout de des strings pour faire des wools, tout ça. Ce serait un excellent palliatif, on va dire, au mouton. Alors, concentration, on va éviter de tomber, ce serait bête. Avec tout ce que j'ai. D'ailleurs, en parlant de ça, pour éviter de faire n'importe quoi, je vais mettre les trucs assez importants là-dedans. Hop. Voilà. Pour remonter, j'ai besoin que de bois. Donc au pire, c'est pas grave, je perdrai un stack de bois que je referai en off. Si c'est que ça. Spawn skeleton au solo. Ok, alors j'ai vu un coffre, si je me trompe pas, j'ai vu un coffre juste en dessous. Ouf, 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 la chute est haute. Ok, axe. Ah, ship. Bah super. Comme quoi, hein, au final, quand on les cherche plus, les œufs de ship, on les trouve. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pop un ghast. Oh là là. Oh là là, le stress quoi. Oh là là, mais n'importe quoi. Eh mais. Désolé. Ouais, ben bah ouais, un ghast, oui, bien sûr, c'est exactement ce que je voulais faire. Que d'émotion. Je suppose que vous avez vu le curseur et tout se mettre sur l'œuf de Ghast. Mais non, c'est pas du tout ça que je voulais juste la cobble. Oh là là. Et j'en chie pas suffisamment avec la hauteur, ça y est, il faut faire pop des Ghast maintenant. Allez hop, on retourne. Un autre coffre. Qu'est-ce que je fous là? Non, ça va être mieux de faire ça. Simplement. Voilà. Un bucket, ça c'est cool. Et encore un spawn ship, un magma machin. D'accord. Ok, alors super, on va continuer directement. Je vais faire une ellipse, le temps de revenir directement, parce que je sais que c'est chiant au niveau des trajets. Donc voilà, je fais une ellipse du trajet. On se rejoint juste après quand j'ai rejoint le spawner à araignée. A de suite. Ah bon les gars, je suis vraiment navré, mais j'ai toujours pas retrouvé le spawner à araignée. Donc ce sera sans spawner pour aujourd'hui, tant pis. Non, je déconne. Hein. En fait, il est là, je le retrouverai rapidement. Vous inquiétez pas, je perds les spawners, mais quand même pas à ce point-là. Donc, c'est parti. J'ai commencé à faire une petite plateforme. Et je vais continuer. Je vais faire juste gaffe qu'il n'y ait aucune araignée qui pop. Ouh là 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 là, ça sent le coucher de soleil, ça. J'aime pas du tout ça. Donc, si jamais il y a le coucher de soleil, je vais vite rentrer à la base un petit coup et revenir rapidement. Ou alors non. Si jamais j'ai le temps de sécuriser avant, pourquoi faire ça alors que ce serait pas la peine. Quoique, travailler sur un spawner la nuit, la journée, c'est la nuit, pardon, oui, justement, c'est l'horreur, quoi. C'est super dangereux. Ok. Ouh là là, ça commence à pop et tout. Allez, on se taille.
Hop, passons la nuit, histoire qu'il n'y ait pas de pop de mob. Ce serait cool même. Ni squelette ni quoi qui reste sur les plateformes. De toute façon, on fera une zone spéciale pop de mob, entre guillemets, un mob farmer quoi. Mob grinder. Alors, l'anglaise, l'American. C'est parti pour le travail. Alors, avec prudence, je me connais. On n'est pas obligé de descendre aussi bas. On va rester à cette hauteur-là, c'est assez sympa. Mettons des torches partout, n'hésitons pas. Ce serait con qu'une araignée me pop dessus et me fasse tomber dans le vide. Ce qui peut extrêmement vite arriver. Alors déjà que j'ai du mal avec des spawners en règle générale. En survival normal. Alors là. Ça va être l'horreur. Ok. Là, on peut pas tomber. Alors là, je le fais exprès, quoi, si je tombe. En général, c'est dans les moments où je dis ça que je tombe. Hop là. Bon, on va enlever la musique de Minecraft. Hein. Ça ira. Je pense que vous la connaissez suffisamment. Oh, serait-ce un coffre au loin? Que vois-je? Non, rien du tout. Dommage. J'aurais bien récupéré un contenu de coffre encore. C'est pareil, hein, il y a des gros blocs de redstone là. Là. Il va falloir que je vienne les récupérer en off. Oui, en off parce que. C'est super relou à faire quoi. Je vais pas vous montrer ça. À moins que je monte des petits passages, mais ce serait une quantité filmée énorme pour au final pas grand chose. Ça vaut pas le coup, je pense, de vous montrer ça. Donc, hop. Et je pense qu'en fait, à la fin de cette journée, une fois que la nuit tombe, on va arrêter l'épisode. Ça fera. Peut-être 25 minutes, une demi-heure. Ce sera pas mal. Surtout que je disais que les épisodes duraient peu de temps, mais finalement, je peux pas me permettre non plus de couper en plein milieu, hein. Je vais pas vous dire bon, on se retrouve la prochaine fois pour finir l'agencement du spawner araignée. On s'en fout un peu, hein. Juste un spawner araignée. Donc autant le finir devant vous. Et puis, je vais sûrement accélérer cette partie, de toute façon.
Et voilà, comment on se retrouve? C'est bon, le spawner est fini. Je vais juste donc hop, me débarrasser de ça déjà. Hop, 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 ramassons tout, tout. Voilà. Hop, et là, j'aurais bien aimé mettre une torche un peu mieux placée, histoire que ça pop quand même. Au final, je pense que je vais même faire un toit comme ça rapidement. Parce que ça sert à rien de le laisser à l'air libre, si ce n'est de tomber dedans comme un idiot. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait énormément de protection. Étant donné les gaffes, ce serait dommage. Hop, voilà. Au moins là, ça fait de l'obscurité totale de toute façon. Et ça permet de mieux pouvoir faire pop les araignées et d'être safe à la fois. Voilà. Hop. Et voilà. Je pense qu'on peut considérer que notre spawner est fini. Évidemment, je peux rajouter quelques améliorations, par exemple. Bah tiens, je vais le faire quand même. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est pas un automatique. Oui, c'est pas un automatique. Honnêtement, les mob spawners automatiques, j'aime pas trop ça parce que c'est. Déjà, ça fournit pas tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'au niveau des loots, on a les loots, mais on n'a pas l'XP. Donc, je trouve que l'intérêt est assez limité au final. Parce que l'intérêt d'un spawner, c'est aussi quand même d'avoir l'XP. C'est vraiment bien d'avoir l'XP quoi. Étant donné que c'est un spawner à araignée, ça c'est vraiment pratique de pouvoir faire ça. Oula. Voilà. Oh, on entend les petits bruits de pas des araignées, c'est assez dégueulasse. Hop, on va se faire une épée rapidement. On va le tester. Voilà. Ah voilà, ça marche assez bien. Hop. On fait ça histoire qu'il n'y ait pas de trop de soucis avec la lumière. De même, hop. On va mettre du bois dégueulasse, ce sera pas de la même couleur, c'est pas grave. Voilà. Pourquoi je tape avec une hache alors que j'ai une épée, hein? Ça, du coup, on peut le casser. Ça nous permet. Et qui plus est, ça fait une jolie cabane quand même, hein, je trouve, ce petit spawner. Je pourrais mettre un seau d'eau tout au fond, histoire de récupérer les loots assez facilement. Aïe. Faudrait que je commence à manger si je veux pouvoir m'en sortir. Sinon, je suis capable de crever comme ça à petit feu. Bon, je mettrai une porte aussi pour sécuriser, on sait jamais qu'il y a un mob qui vienne. Ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Bon, ben voilà, nous avons notre super spawner araignée. Je vais quand même aller récupérer les loots dès que je peux. Là, je suis pas trop tranquille. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Ça évitera qu'on veuille sortir par là. Voilà. Bah écoutez, je vais revenir tranquillou à la base et puis on va se laisser là pour cet épisode. On a déjà fait pas mal, on a trouvé quelques coffres et on a créé ce spawner. C'est déjà énorme, quand même. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de squelette. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer la nuit ici en mettant tout dans mon coffre, histoire de pas perdre. Parce qu'à tous les coups, il va y avoir un squelette qui va me shooter ou un truc comme ça. Et je vais perdre mon œuf de mouton pour une deuxième fois. Est-ce que j'ai vraiment. C'est vraiment ce que j'ai pas envie. Donc, je vais retourner tranquillou à la base. On va bien se foutre de ma gueule si jamais je meurs à cause d'un squelette. Ça va être marrant. Et puis, on va se laisser là-bas. Voilà. Ou même pas aux cousins squelettes, ça se trouve, je suis capable de tomber dans le vide comme ça.
Voilà. Eh ben écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode et puis on se voit pour un prochain épisode avec qu'est-ce que je pourrais faire? Alors je pourrais soit vous montrer la construction de la maison, mais je pense que c'est ce que je ferai d'ailleurs en épisode, ou tout simplement l'aménagement de notre spawner. Donc voilà, on pourra voir ça. Ce spawner ne marche pas, je sais pas. En fait, il est censé créer des slimes, je crois. Et j'ai pas du tout réussi à en faire pop. Et pourtant, vous voyez bien qu'il y a pas mal d'obscurité quand même. Je pense qu'il y a même de quoi faire pop quelques mobs naturellement. Mais impossible de faire pop que ce soit. Donc je sais pas, peut-être que les spawners à slime ne marchent pas. C'est peut-être aussi des spawners générés aléatoirement, très certainement même. Donc on peut se retrouver face à des spawners qui marchent pas, qui n'ont pas été testés. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao, ciao!